suis Violaine de Geoffroy, je travaille au bureau d'études énergie de la ville de Grenoble, au sein du service transition énergétique. Le métier de chargé de projet génie climatique, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi technicien bureau d'études, technicien chargé d'affaires. Ça consiste à faire tout ce qui est conception, dimensionnement, suivi des travaux sur les installations de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie dans les bâtiments. On assure un service public, donc les travaux qui sont menés, ça a quelque chose de très concret. On participe à la vie de la cité, entre guillemets. Et donc, oui, les travaux qui sont menés, c'est pour assurer des bonnes conditions pour les enfants qui vont à l'école, c'est pour assurer des bonnes conditions d'accueil pour les personnes qui viennent au musée. Donc, ça a quelque chose de très concret. Je pense qu'il y a quand même deux grands avantages à exercer ce métier au sein de la ville de Grenoble. C'est d'une part que c'est quand même dans une collectivité qui est particulièrement engagée sur les thématiques environnementales et énergétiques, donc on a des capacités à faire et une motivation en interne pour avancer sur ces sujets-là. Et puis d'autre part, c'est un environnement de travail où il y a un souci de la qualité de vie au travail et probablement la capacité à bien gérer un équilibre vie personnelle, vie professionnelle avec la semaine de 4 jours et demi. On est sur un territoire qui est assez limité, qui est très varié, avec énormément de bâtiments, beaucoup de diversité. Donc on n'a pas de déplacement professionnel en voiture longue, on fait tout à vélo, dans la bonne humeur.